Tu es mon grand, mon fils. Je suis très honorée. Alors vraiment, vous pouvez pas imaginer d'être là. Je le prends dans mes bras. Ah, mon grand. Ça me sidère, tu sais, de voir comment tu pars en flèche, mon grand. Hein. Mais vous savez que je l'ai connu, lui, il avait quoi? Il avait 2-3 ans, à peine, hein. Il était arrivé comme ça. Et puis alors déjà, à l'époque, j'avais remarqué ça au bout de 3 ans d'entraînement qu'on avait fait ensemble. Oh, mon champion, c'était devenu un champion. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a travaillé une technique tout à fait particulière. Je vais vous expliquer. Quand j'ai connu le petit, tiens-moi ça, ma grande. Tiens, non, toi, mon grand, tiens-moi ça. Ah, ça faisait longtemps, quand même. Quand j'ai connu Gaël, bon, alors il faut savoir, hein, Gaël, quand je l'ai connu, il faisait déjà, parce qu'il pratique, il fait du pip-pop. Vous connaissez, c'est une danse un peu... Ah oui, c'est une danse assez remarquable comme ça. Et alors, sur l'entraînement, il me faisait du pip-pop. Hein, et du pip-pop par-ci, du pip-pop par-là, sur la main, sur la tête, comme ça. J'ai trouvé ça remarquable. Et alors là, c'est là. Bon, alors c'est lui le champion, c'est lui la star, hein, c'est pas moi. Mais on pourrait dire quand même Van der Brugt. Et aussi mélanger un petit peu à mon fils, que je n'ai jamais eu. Des petits mours, ça fait pas de mal. Hein. Et ben, je peux vous dire que quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la technique de la danse, parce que c'est de la danse qu'il fait. C'est une danse un petit peu bizarre, saccadée comme ça. Et j'ai mélangé ça à la technique pure, hein, du tennis. Et donc, c'est pour ça que le petit, si vous voulez, c'est comme ça. Quand il est devant son adversaire, l'adversaire ne sait pas trop à quoi il a affaire. Il a l'impression qu'il se dit c'est une danseuse. Il ne sait pas vraiment si c'est une danseuse ou si c'est un joueur de tennis. Et là, on allie les deux. La technique de la danse, la technique du tennis pur. Hein. Et là, il te met des trucs, il te fait des trucs sur la tête. Et là, je peux dire, les adversaires sont complètement perdus. Et c'est là qu'il se match et c'est là qu'il fait ses points remarquables. C'est un grand, il va aller loin. Alors, je sais, mon grand, c'est la petite Berne qui m'a invité. Pardon. Non, mais je me permets, on se connaît très bien. Oui, mais c'est pas une raison. Parce que tu sais que je coach beaucoup. Et le petit, je le coach depuis un an, hein, il s'est mis au tennis. Bon, là, c'est beaucoup moins drôle parce que... c'est pas ça, mais normalement... ouvrez-moi ça, Eric, s'il te plaît. Normalement, je ne fais pas. Hein, je ne fais pas les débutants, tu sais. Je n'aime pas trop ça. Bon, mais lui, tu sais que les stars de la télé, ça paye. Hein, ça... Alors, ça douille un peu, donc moi, j'en profite. Mais alors, quand même, pour la petite anecdote, le gars, quand même, est un petit peu... Bon, tout dans le cheveu, quoi. Hein. Alors, non, je l'aime bien. Hein, il est souriant, il est sympathique. Mais quand même, il faut le voir pour le croire. Hein. Une petite imitation de Monsieur Berne, hein, sur le terrain. Alors, on est en entraînement, ça fait un an qu'on travaille. C'est très simple, hein, le pas de base. Hein, le pas de base du tennis, tout le monde le connaît. La balle arrive, ouverture, droite, gauche, droite, je frappe. Hein. Et bon, il n'est même pas foutu. Hein. La raquette est comme ça, il part dans tous les sens. Il s'en mêle les pieds, il se casse la gueule. Le service de base, hein, que tout le monde sait faire. Hein. Je suis là, je fais ça, hop, je tape dans la balle. Et ben, mais croyez-moi, il m'envoie toutes les balles en dehors du terrain. Et pour la petite anecdote, une fois, mon téléphone sonne, mon portable, hein. Moi aussi j'ai un portable. Je réponds, c'était mon ami Titus qui est coach aussi, qui me raconte une petite anecdote de terrain. Et je tourne la tête et je vois effectivement la petite saucisse là. La petite saucisse avec sa raquette. Hein? Bon, la raquette, normalement, on est d'accord, comme ça. En train de gratouiller. Et en train. Attendez, en train de chanter du Dalida. Comme ça. Oh! Moi, ça ne me fait pas rire. Non, je vais te dire quelque chose, mon coco. Isabelle vient, elle sait pourquoi elle parle, elle a un petit peu de choses un peu graves. Tu balances le fric par les fenêtres. À l'heure actuelle, il y a des gens qui crèvent la dalle, il y a des gens qui sont dans la misère, mon coco. Non, ne fais pas l'étonner. Regarde, il fait son étonner. Écoute-moi, c'est où t'en mets un bon coup, on travaille ensemble, tous les deux, toi et moi, on fait équipe pour de vrai dedans. Non, ça m'énerve, hein, ça me fout les rognes. Ça me fout les rognes. Je suis sympa. Non, non. Alors, où t'en mets un bon coup, et peut-être que dans un an, tu ramasseras les balles de Gaël. Ou sinon, tu es carré avec moi et tu me dis franchement. Oh, ça m'énerve, je préfère partir. Tu me dis franchement, sois carré. J'aime les choses carrées. D'accord. Hein? D'accord? Je te le dirai. Ok, et Gaël. Vive Gaël! Oui. C'était Julie Ferrier. Allez voir son spectacle à l'Européen, c'est formidable.